franchement, même si nous roulons beaucoup et tout, pour ici et tout, mais quand même nous visiter. En même temps, on a poulé, nous visiter, et c'est, je trouve ça trop bien. Qui genre mentalité mieux. J'ai l'impression à cause de ce qu'on dit en pile ensemble avec vélo, c'est que pour au niveau gros, c'est bien hein? Pour un peuple qui conduit autant ensemble avec qui bagarre autant avec vélo, c'est bien pour santé. Là, tu me vas aller visiter un centre commercial, mais j'espère que c'est ouvert. Je vais attendre à l'écounia, mais je vais aller parce que je vais aller sur le moi, c'est à fermé à 18h. Ouais. Bah, c'est à fermé à 18h. Et là, on est arrivé à 5h22. Ça veut dire si après on ferme à 18h, bah, nous n'avons pas grand temps pour nous acheter des bagages et tout. En fait, la team s'est dans cette commercial et tout pour nous visiter un. Deux, si je trouve un bagage pour me cacher, parce que là, le vent commence à souffler très fort, après commence à gagner un petit farine à la pluie. Finesse, je suis content. Ça sent bon mot, ça sent bon mot créole, je trouve là. Je commence à gagner un petit farine à la pluie. Si je trouve un truc pour me cacher, et il y a un petit bagage qui est un souvenir et tout. Si je trouve un bagage. Bagay des vêtements qui écrit Amsterdam ou Rotterdam et tout à acheter. Allez, oh là là, la team fait rouge ici assez tellement long, bah ça c'est du jamais vu. En fait, bébé, on t'a fait des plaies pour Belgique, mais ici c'est pire, non? C'est le quartier beurre, c'est pour ça. Il y a du beurre dans les rues. Ils mettent du beurre, ça glisse partout. Donc il faut mettre plein de feux rouges. Ouais. C'est gênant. Ouais. Ah, bah c'est juste là. Ouais, c'est là, faut trouver des places. Regarde, bah c'est là. Ah, c'est ici, le son, Richard. Ouf, punaise. C'est grand. Bon. Ah ouais, grand le monde. Voilà, on va s'en souvenir. Le jour où tu vas à Rotterdam, tu cherches des trucs à faire, c'est beurre. Tu penses au beurre et tu vois ici. Quartier beurre, il y a tout. Ouais, c'est vrai. Ça m'a dit à la team, c'est vrai, si un jour vous venez à Rotterdam et tout, vous cherchez quartier beurre, comme je n'ai plus le bagarre à faire, c'est énorme. Ouais, il y a tout. Ouais. Il y a tout. Ouais, t'es pas emmerdé. Ouais. Bon, si tu viens en voiture pour trouver une place, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Il y a un pile moto, un pile petit moto et un pile vélo. C'est pratique parce que. Tu viens, t'achètes un vélo. Voilà. Par contre, si tu as fait confiance au concierge. Je sais même pas, je trouve même pas de parking. Ça va être dur. Ah, si, là. C'est vrai? Il y a pas. Ça? Ça. Est-ce qu'ils ont place? À qui ça? Ah, faut une carte spéciale. Allez, 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 dehors saint là. Franchement pas gain plus de temps. La team, vous connaissez moi une femme commentée. Centre commercial là tellement. Non, c'est comment vous voulez. Ouais, c'est un extérieur ou magasin. Youn à gauche à droite. Il y a plusieurs magasins. Hein? C'est là-haut là, on peut rentrer. Ouais, mais on fait comment? Bah là, on va monter les escaliers. On va regarder. La team nous Kaisara.
marché. La nouvelle place, c'est parce que maman m'a marché. Papa? Papa. Moi, j'ai peur. Me cassez vite là et moi sorti. Le photographe. Oh. Là, nous, Kaisara encore. Tu me coupes ma gaz de en fait. Ça passait bien à rien pour. Il commence à passer aspirateur. Bientôt fermé. Rideau tombé bientôt. Ouais. Mais on ne va pas me mâcher de bagarre là pour m'aider. Ouais. M'a bien froid. Mon père m'a bien froid. Ouvre le hot dog. Non, non. Je veux pas. C'est un truc de malade parce que là me fait tout magasin en bas de mon petit châle. C'est ça pour ça les concerts, non? Ouais, un petit châle. Ouais, un petit pull, un châle. Un petit pull et tout, de quand mettre sinon de quand. Allez bébé, à ton avis, me dois aller où? Je sais pas. Comment ça va connaître? Pas connaît. Ma paillon. Moi pas yon girl. Je suis pas une fille. Ah, on va pas une fille, je sais pas moi, j'en sais rien. Ah, allez, prévoir. On dirait un fou, il y a Primark. Il y a H&M. Non, t'es sorti H&M. Non, ah. C'est pas H&M. Non, t'as l'air de sortir à Zara. Ah, franchement, allez vite. Ah. Tes grosses fesses. Mais pas de quoi passer là-dedans. Regarde comment ça bouge. T'arrives même pas à courir. Arrête, tu mens. On m'a quitté Jacques, filmez-moi encore, vous me parlez. Allez. Tu mens. En fait, la dîme nous dépensait si était à H&M parce que. Tu l'as mis où le ticket? Dans mon sac. Parce que la dîme nous dépensait que c'était pas le même magasin, du coup, nous disons. Non, H&M, non, pour nous décaler, pourtant, ça c'est l'autre magasin. En fait, magasin ça, ensemble avec H&M, non, il y a tout collé. Nous n'avons pas de connaître. Eh bien, vous pensez nous qu'à sortir par là pour nous aller? Je sais pas. Outre là, pas. Juste là. La sortie là, c'est plus bien. Déjà. En fait, la team, ça me fait c'est plus frais encore. Et nous connaissons, même sous Guiratsu, si Rando, tu vois. Ouais. Là. Ça, je veux dire, si c'est pas couvert ou fret, non, la lampe va continuer, si on a pris ça, donc ou couvert, du coup, ça fait un gros fret. Là, la team va aller dans le magasin souvenir. En fait, la team a un parfum hyper cher, m'acheter et tout. Et grosse surprise, parfum disparaître dans Kaila. Baka, qui c'est bébé? Ah non, c'est ma maîtresse. Ah, c'est ça. Oh, je sais pas si on peut passer ici. Là, on a tiré ma maîtresse, elle était mariée. Je ne sais pas parce que c'est pas lui, mais. Et là, je dis à tout, on va l'acheter. Une autre de parfum.
Under of Arm. Allez. Bébé, tu vas chercher un restaurant pour nous quand même pour aller manger maintenant. Parce que là, il est seulement 6h36. Allez, fais-toi plaisir. Est-ce que vous voulez un petit zoua, chérie? En plus, j'ai enlevé mon manteau de la voiture. Ouais? Ah, tu commences à avoir froid? Ouais, j'ai enlevé mon manteau. Oh merde, fais chier. Bébé, commence à fouetter. Dans le quartier, je suis allé à ma vessie pour montrer nous comme ça. Là, il y a un paquet de bons restaurants et tout. C'est restaurant plusieurs pays, plusieurs pays. Mais franchement, je ne suis pas en bagaille. Regardez, des cartons ici. Même pas en bagaille vraiment ma vie. Ici. Yeah. Ouf, Jésus qui m'a privé. M'a remis ma chaîne. La nouvelle en côté latine qui est c'est à 12 minutes à pied. Le mieux chéri, c'était la voiture. Je te jure. Le mieux. Comme ça, nous pas besoin de retourner là encore parce que là, on va le passer juste à côté voiture. Ouais, mais après, tu sais, pour se garer, trouver une place, chérie. Je connais le truc. Mais moi, j'ai soif, mon amour. J'ai soif. Je veux de l'eau. On va bien trouver un truc. Je veux de l'eau. Ah, bébé, regarde. Bon, c'est son bâtiment qui est effondré, on sait quoi. Je ne veux pas. Non, 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 pas de chicha. Pas de chicha pour toi. Pas de chicha pour toi. En fait, là, tu nous connais comme ça. Moi, chaque pays m'a laissé acheter et yon bagaille, rat bébé et tout. Mais là, c'est un peu difficile pour trouver magasin parce que là, on est obligé de marcher, marcher, marcher. Et là, le magasin, ça m'a ouvert là, il y a seulement. Et bavette bébé. Moi, vous connaissez si je choisis ça ou pas. Alors, au fait. On fait quoi? Tu prends la bavette. Ouais. On va prendre un petit souvenir pour nous quand même. Ouais. Après, ce serait bien de trouver un truc pour les bébés. Il y a la bavette. Ouais, la team, il n'y a que des bavettes comme ça. Après, par exemple. On s'est toujours dit à chaque fois on prend. Ouais. Chaque pays noir est disposé pour un bagage bébé. Tu peux choisir, hein, chérie. Je te laisse. Je te laisse choisir. C'est vrai? Je préfère un truc comme ça. Comment? Allez, allez, allez. Je sais pas si t'es moins représentatif. Par contre, t'aimes ta choisir. Vas-y, prends ça. Je trouve ça joli. T'as pris quoi? Fais voir. C'est écrit quoi? C'est écrit Rotterdam. Ça aussi, aujourd'hui on a vu plus de vélos que tout, non? Mmh. Franchement, vélo t'as supposé. En plus, c'est joli. Vélo t'as supposé comment? T'as supposé symbolique. Bah, j'aime moins autant de vélo de ma vie. Franchement, vélo t'as supposé symbolique. Ah, par contre, ici, tu prends? Il est bon, bagage. Allez papa, c'est toi qui choisis papa. Allez. Allez. C'est trop beau, j'aime trop. Oh bébé. Non, 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 non. Il y a un bagage là, bébé, pas vrai. C'est la même couleur. Ouais. C'est la même couleur par rapport à vêtements de potes. Est-ce que c'est aussi? C'est moi aussi. Oh, c'est son aussi. Ah, c'est un garçon. Est-ce qu'on va avoir un petit garçon? Ouais. On va avoir un petit garçon. Le premier, c'est le premier. Seigneur, amen. Allez. Allez, on va comme ça. Si avant petite nous fait 20 pays, ça veut dire pendant 20 jours, mettre 20 bagages différents. Amen. Par contre, nous la team par rapport ensemble avec ça. Et on a pu gagner un peu partout, chaque côté et tout. C'est des entrées comme ça pour aller prendre le métro. On y va, beau gosse? La team nous passe, nous on bagaille des tatouages. Côté, la bébé a passé pour des caouets si nous avons fait tatouage sans rendez-vous parce que c'est un projet pour nous faire tatouage en tout le monde.
Non, on peut pas. Comme ça, nous t'es qu'à fond ta douche. C'est toujours difficile en Europe. Aux États-Unis, on vit fond tatouage. C'est formaliste que ça reste bien embêtant pour un simple petit tatouage, sans oublier que la loi n'exige pas d'accord écrit. En fait, la team, la loi dit si, par exemple, si on vient, il faut tatouer sous coup de tête sans rendez-vous et tout. Parce que pour eux, le tatouage, il faut réfléchir pour venir faire, pour rendez-vous et tout. Mais le musicien qui apprend, par exemple, si on a dénoncé et tout, en fait, c'est ça en fait. Si on a allé là le dénoncer, voilà. Et qui a dit comme ça, ok, on va prendre un monde pour 1500 euros et on va faire mes bagages pendant tant de temps pour ne pas exercer. Nous allons rester ici. Tu as assez la nouvelle. Ouais. C'est l'âme d'acheter ça. Il fait moins froid là. Hein? Tu as moins froid? Jacques fait une bonne bien là de parler. Assure-moi, c'est ça. Hein. Je vais moins froid. Ouais. Je vais en boire plus. Je vais pas. Hey, je vais économiser. Au lieu d'acheter un t-shirt, un pull à 20 euros, je vais acheter 10 bières à 10 euros. Ouais. Comme ça, on va toujours. Ça sera chaud. On va toujours chaud. Voilà. Sans bon plan. Hein. Ouais. En plus, ça nourrit. En plus, tu manges en même temps. C'est parfait. Attends. Donc, je regarde ce qu'il faut. Ouais. La team. En fait, la team nous était toute la journée. On a profité, aller à gauche, aller à droite, manger et tout. Mais là, Koulvin, ce soir et tout. On va faire des recherches, ok, qui ça n'a envie de manger, qui ça n'a pas de manger. Et ouais, c'est Jacques qui était supposé choisir aujourd'hui, hein, qui va le manger. Ouais, plus ou moins. Je choisis pas trop. Quoi? Oh. On va suspendre tout chez lui. Vas-y, les gars, t'es là, la casse caressée, j'aime moins. Jusqu'à ce que ça fait coinc sur toi. Ah, c'est ça. Jusqu'à ce que ça fait coinc. Ah. Allez. Et là, la team nous cache un restaurant. Et en fait, c'est trop bizarre. On ne peut pas te connaître. On ne peut pas te connaître si c'est comme ça. Pourtant, pendant toute la journée, nous passons, même nous-mêmes, là, nous avons fini, nous avons ça. Nous passons devant pile restaurant et tout. Et là, boum, bizarrement. Majorité restaurant et tout, bagay nous remet fermé à 22h. Et là, nous trouvons un restaurant et l'ouvre à 22h. La ferme est à 22h30. Et c'est un restaurant chinois. Et nous n'avons pas envie de manger un restaurant chinois. Parce qu'on a plus envie d'aller dans un restaurant pour bagay poisson. Ouais, mais moi, ça me dit. Des fois, je me dis. Ouais, mais ça te plaît. Des fois, je me dis les restaurants, surtout poisson, machin. À chaque fois, tu tombes sur les restaurants, t'es malade. Tu vois que là, au moins, tu manges un truc. Au chinois, tu dis, ah, c'est pas bon, tu changes. Tu prends un truc sûr. Tu manges du riz avec quelque chose de frit, tu vois. Et au moins, t'es sûr de pas être malade. Tu vois, ouais. Tu vois, tu peux reconnaître un peu si c'est bon ou c'est pas bon au chinois. C'est ce choix que Jacques a trouvé là. Tu vois, là, nous parler dans le restaurant chinois et m'espérer que. Il y a seulement seulement une heure. Parce que là, si nous allons pour nous aller dans l'autre restaurant, le temps pour nous arriver, en plus, par rapport à l'année, c'est seulement ça qui était proche et tout. Et là, on a prévu à 9h30. Il y a seulement une heure et nous allons sortir vraiment à 22h30. On doit sortir. Nous supposons sortir plus tôt. C'est la merde. Non, mais après les Chinois, ce qui est bien avec eux, c'est que. Oui, tu finis à 22h30, mais si t'as pas fini de manger, ils te laissent encore. Oui, il n'y a pas de méthode dehors. Ouais. Au Pérou, c'est plus strict, c'est plus à cheval. C'est vrai. Mais ils vont pas te mettre dehors. J'espère. Ouais. Parce qu'une heure pour manger, c'est plus. Hein. Après, ils te laissent le petit le dessert. Ils te laissent le dessert ouvert. Et puis le reste, il commence à ranger, c'est tout.
Au moins, t'as le temps de manger ton dessert jusqu'à 23h. Vu, ils peuvent faire ça. On verra. Mais on n'est pas le week-end, donc je suis chérie. C'est pour ça qu'il y a moins de monde. Ah, parce que nous pas le week-end, tout le monde se passe fermé à 22h. Ah, ouais. Si, c'est ça, c'est ça. Pas de restaurant. Et là, il dit qu'il y a fermé dans 25 minutes. Et c'est seulement le monde qui est dans l'hôtel qui gagne. C'est pas la bonne heure, c'est faux. J'ai l'impression que c'est seulement le monde qui est dans l'hôtel qui gagne droit. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est la merde. On a plein de restos ici. Ah oui. De curry, machin. Ouais, mais on va connaître si c'est si on va pas le fermer. Ah. Antillais chinoise. Putain, antillais chinois. Il y a HFC, voilà. Ouais, si ça va marcher, ou quoi. La team après-midi, mais qui genre et hôtel d'amis, ça c'est calme. Je dis à nous jeudi. Là côté nous et tout, on jeudi. C'est plus vivant, hein, chérie. Vas-y, regarde. C'est parce où que... C'est quel numéro? Je sais pas. Regarde. Pour moi, tu l'as pas pour moi? Thank you. Thank you. À ton avis, ça a quel goût? Moi, c'est bon pour moi, ça. J'aime pas fini ma vie. Ça s'arrête quand? Lamb, mouton? No, thank you. Good. On fait te voir. On a bien mangé. Hein. Bien mangé. La team, franchement, nous tombons sur un restaurant. Et l'interview vient d'un restaurant africain et tout. Nous pas trois remets. Surtout moi. Je dis, ah non, ça va pas. J'aime pas. Et du coup, nous t'es venu là, dans un restaurant brésilien. Là, la team qui est là. Et. Me saisis, mais il va pas manger. Ah non, mais c'est bon. Tu la viande, t'as même pas fini ta viande, tu sais, c'est vrai, ouais, on va même finir, viens dans la team. Viens, venir. C'est. Moi je dis stop.
Et moi-même. Ah, malgré ça, moi-même, continue là, continue à manger. Ah non, c'est bon. Après, je fais quoi? Je peux plus bouger. Je te jure. Et toi, t'as aimé? Hein? T'as aimé? Ouais, j'ai aimé. En fait, la team, en même temps, il y a poté manger bas ou il y a poté manger bas. Ouais, ça te passait. En même temps, il y a poté bagaille sucrée et tout. Par exemple, ananas. Ouais, t'as vu, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Il y a ananas en façon. Il y a poté. Bagaille banane. Ouais. Pas banane, non, chérie, ça c'est pas banane. Ça c'est figue, non? Ça de c'est figue. Ouais. Oui. Ouais. En Haïti, on connaît ça figue. Le côté figue mariné dans sucre avec cannelle et tout barou en même temps. Et puis tout de temps en temps, viande, poulet, viande, bœuf. En plus, à chaque fois, c'est différentes parties. À chaque fois, c'est différentes parties dans le bœuf la team. Et franchement, bébé, nous c'est amateur de restaurant. Ah ouais? Mais là, c'était trop. Je suis blindé. C'était trop. Jamais ça m'arrive. Moi, à chaque fois qu'on allait dans un restaurant et tout, la team, nous toujours sommes monde qui toujours, et moi-même qui toujours, même si. Moi, je plus ça, soit, tu vois. Ah ouais? Ah, si, même si. Mais bébé, toujours qu'on mange plus, tu vois. Je sais pas comment tu fais pour manger autant. Arrête, c'est méchant. Coucou la team. Attends, je regarde. Dans 1h30 là-bas à la maison. C'est trop trop bien. Et franchement, me passer en Bonne journée. Ouais. Un bon moment. Et une belle soirée. C'était bien, c'était cool. Ouais. J'ai aimé. J'ai bien rigolé. Bien kiffé. C'était bien. Ça a bien marché. Oh, bon, le soleil n'était pas au rendez-vous, mais bon, c'est pas ouais, cool. Ouais. Prochaine ouais. Destination, nous parler. En plus, on avait regardé la météo. Oui, mais c'était seulement 10%. Même pas de connaître si le tape couvrir tout ici. Hein. Prochaine fois, non, l'autre côté, nous parler. M'a regardé bien. Si c'est l'air nous gagne temps pour nous aller, si gagne soleil, la pluie bien. Mais quand même si pas de soleil, c'était sympa. Ouais. Ni pas de température, t'es normal. Ouais, c'est ce que je dis. Limite, si je préfère ça que la canicule. Ouais. Après, elle commençait plus tard, elle était commencé vraiment. Il commençait vraiment on va souffler frette. Ouais. Et j'ai trouvé un pull. Non, ma chérie, bon. T'as de la chance, hein, chérie. Ouais, chance. Parce qu'elle était frette. Et franchement, par rapport ensemble avec température en Belgique, là, la team, là, c'est. Il fait frette ici, là, en ce moment, là. En Belgique, il n'est pas comme ça, la température en Belgique, là, il est mieux. Et j'espère que nous avons partagé la vidéo, ça, nous avons like, nous avons partagé l'ensemble avec vos familles, nous. Avec nos amis nous et si nous aimons ça nous commence à porter pour nous yo. Ben voilà c'est un peu ça et j'espère que ma garde mes plan si bon Dieu bah nous la santé et si nous même tournons mes vidéos seulement ça si nous même mes vidéos t'as continué bref la team merci en pile Merci en pile la team. Bah si vous voulez regarder des vidéos ça là le soir, je vous dis bonne soirée. Et si vous voulez me tomber sur vidéo ça pendant la journée, hein, je vous dis passez une bonne journée, passez un bon matin. Mais remets-nous. Bye. Bye.